Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour ce deuxième épisode de mon tout nouveau let's play sur le jeu, j'allais dire Age of Empires, mais non, sur le jeu Anno 2070. Alors, je vous avais laissé la dernière fois, on avait carrément torché en un seul épisode le premier, la première mission de cette crise mondiale qui est le grand crash boursier, c'est parfaitement dans l'air du temps. Et donc, je vous propose pour cet épisode de nous attaquer à la mission suivante, un peu plus difficile. Sur le même principe, hein, c'est-à-dire, je vous la remets, installer des ingénieurs Tycoon. Donc avant c'était des ouvriers qu'il fallait installer, maintenant c'est des ingénieurs, ce qui veut dire que c'est le troisième niveau. Et il faut gagner beaucoup de crédits grâce au commerce. Eh ben, allons-y, allons-y joyeusement, c'est Initialisation de la parti. procédure de surfaçage. Alors, donc c'est le même principe que l'épisode d'avant, hein. Je vous invite à le regarder si vous ne l'avez toujours pas vu. Il est disponible facilement dans les liens dans la description, il y a le lien de Considéré la comme un honneur, playlist, dans de la ces chaîne, c'est assez responsabilités facile de de la le retrouver. Normalement, ma chaîne est bien supérieure, rangée. la compagnie croit beaucoup en vos talents. Oui, moi aussi je crois beaucoup en mes talents. Alors là, donc la mission est un petit peu moins facile. Donc la dernière fois, c'était quand même vachement simple, on l'avait torché en 40 minutes, même pas. C'était assez simple. Là, il va falloir un peu plus galérer parce que le troisième niveau était un peu plus compliqué à atteindre. Cette mission ne devrait pas vous prendre trop de temps. Global Ok. Trust a perdu une part de marché importante lorsqu'Eden Initiative a bloqué un nouveau secteur très prometteur. Localisation de l'île. Donc il me Bonjour et faut des bienvenue. employés Tycoon et Je des suis ingénieurs Diana Tycoon. Rodriguez d'Eden Initiative. Quel plaisir de rencontrer quelqu'un qui partage nos valeurs. Scan de la côte Alors, donc là inconnue. je cherche une île, une grande île s'il vous plaît. Parce que là c'est que des tout petits trucs. C'est sympa pour Rallyez-vous, les... Sokov. Sokov Ah, Sokov. transnational. Ah bah elle est En grande matière de mais elle est prise pétrole, déjà. je suis le maître. Celle-là est assez grande aussi, ça pourrait Localisation être pas de mal. l'île. Celle-là Nouvelle aussi est île pas mal mais il y a localisée. trop de... Ah, ah celle-là elle est parfaite. C'est sans doute la plus grande île de la map. Il y a de la place, il y a de quoi faire des trucs. Il y a du riz, donc on pourra faire de l'alcool, c'est parfait. Du gisement de basalte, ok, un petit peu d'or, du sable, un petit peu de cuivre, pas énormément de cuivre, de fer, ça devrait aller. J'ai envie de dire que tout est bon dans le cochon. Non, je rigole, c'est pas ça. Non, non, c'est... L'île est quand même bien. L'île est même très très bien. On va lancer directement, je pense, dessus. Je sais pas trop où je me placer pour être optimal. Oh, allez, ici. Alors, toi, on va te balancer, on va aller te faire explorer des trucs. En attendant, pendant que moi, je vais commencer à poser les bases de ce qui va être notre futur empire mégalomaniaque. Non, pas du tout. Donc, soyons le plus optimal possible. Alimentation en énergie Oui, je inadéquate. sais. Donc là, Thor c'est absolu. Strindberg, ne vous mettez pas en travers de ma route, ou vous le regretterez. Oh là, oh Parlez. là. On se calme, monsieur, on se calme. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi aigri comme ça. Pétez un coup, ça ira mieux, vous allez voir. Le mec qui. Ne me vous mettez pas en travers de ma route, sale sagouin. Donc il me faut des ouvriers tycoon. Localisation de l'île. Il y a une jolie île en croissant de lune. Donc, alors, nous, on va pouvoir se placer. On va placer évidemment Les notre incitations fiscales ont centre-ville. fortement réduit nos recettes, Oui, je sais, ce qui c'est va comme la nous dernière obliger à fois. rechercher d'autres sources de revenus. Alors, je vous invite vraiment à regarder l'épisode précédent, hein, si vous n'avez pas vu le. Si vous l'avez pas vu, tout simplement parce que dedans, il y a le briefing de la mission générale. Et aussi, je vous montre un petit peu les bases. Les bases de cette partie, en sachant que. Hop. En sachant qu'il y a déjà une saison sur Anno 2070 qui a été faite et qui est disponible aussi sur ma chaîne, ce qui vous permettra aussi de voir un petit peu comment moi je joue. C'est-à-dire, c'est pas forcément le truc le plus petit du monde ce que je fais, mais ça reste sympathique et j'apprécie fortement. Alors, maintenant, on passe à la production d'électricité. On va en avoir besoin. Poser la centrale électrique. Ah oui, c'est surtout que je l'ai pas relié jusqu'au... Ah là. Donc il faut essayer d'être le plus... Dégradation du bilan écologique détectée. Oui, je sais. S'arranger pour perdre le moins de place possible.
Ok. Donc là, je vais lancer la production d'électricité, ça va bien aller. De notre côté, ici... Ah oui, bah, il me faut des trucs de poisson. Donc comme évidemment, j'ai vu qu'on devait gagner 40 000 grâce au commerce. La dernière fois, on avait fait 5 000 plutôt facilement. Mais 40 000 va être quand même un poil plus complexe. Un poil. Un gros poil plus complexe quand même. Il faut que je m'arrange pour avoir un bilan positif, même si ça produit pas assez. On va accélérer un petit peu la vitesse. Donc il faut 1000 employés Tycoon et 900 employés Tycoon. Sachant que, évidemment, je peux pas le voir encore. Il n'y a qu'un certain pourcentage du niveau où on se trouve. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a qu'un certain pourcentage d'ouvriers Tycoon qui pourront monter au niveau supérieur. Je crois qu'on perd 20% à chaque niveau. Ce qui fait que seulement 60% des ouvriers Tycoon pourront atteindre le stade d'ingénieur. Voilà. Donc il nous faut plus d'ouvriers que d'employés, tout ça, tout ça, tout ça. Donc il nous faudra au moins, je dirais, au moins 2500. Au moins 2500 Pékin. Sachant qu'on, je pense qu'on tirera, on fera un énorme secteur de population ici. On va mettre toute la population sur cette île, je pense. Et on ira faire des petites îles, récupérer des petites îles de manière à avoir de la production. La compagnie est la priorité des priorités. Oui, je sais. J'ai oublié d'accélérer le temps, ce qui fait que j'ai un peu parlé dans le vide. Voilà, donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais poser pas mal de maisons. Et je vous reprends une fois qu'on a posé quelques maisons. Donc voilà, ça y est, j'ai fait pas mal de maisons. Bon, j'ai pas tout fait autour, mais c'est déjà pas mal ce qu'il y a. On a débloqué évidemment tous les bâtiments disponibles pour ce niveau de civilisation-là, enfin ce niveau de population-là. Donc du coup, on va pouvoir poser de la distillerie. C'est bien, on a la fertilité. Par contre, ça va nécessiter... Ouais, ça va nécessiter quand même pas mal d'outils. De même que le casino va nécessiter pas mal d'outils. On voit que j'ai pas un bilan ultra, ultra positif. C'est un peu ballot. On va essayer quand même, ça devrait aller. Alors, on va faire des distilleries, si je me souviens bien, c'est deux. C'est deux et en plus ils sont pas gros. L'impact environnemental négatif réduit la fertilité. Ah merde, ça c'était un peu con de l'avoir fait comme ça. On va voir. On va voir si j'arrive à caler quelque chose de correct. Bon, il y a peut-être moyen. Ouais, je pense qu'il y a moyen. Voilà, vous avez vu? C'est nickel. C'est ultra compact, enfin un maximum compact possible. Ensuite, est-ce que... Mais évidemment, j'ai pas assez d'outils pour acheter le... bon, ok, donc il faut que j'aille auprès de Rufus Storm, je pense que ça devrait aller. Sachant que j'ai vendu quelques petits trucs, donc voilà, j'ai 220 sur 40 000, c'est rien du tout, sachant que je vais devoir acheter des outils. Aboutit, elle devrait... Chacun veut être prêt. Voilà, donc moins 300, donc je suis évidemment... À moins 80, putain. Youpi. Et donc là, c'est particulièrement quand même la merde. Allez, on va dire ça, c'est bien. Voilà, c'est bon. Donc là, normalement, si on accélère un peu le temps, ils vont me dire que... Ils peuvent passer à un niveau. Cette année, je vais utiliser nos économies pour acheter une belle voiture. Oui, super. Vous profitez de la moindre occasion pour vous faire remarquer. Le montant des impôts de ma ville, trop faible. Mais t'es marrant, je vais quoi, les imposer comme Hollande, ce que fait avec tout le monde, là. C'est des ouvriers, mec, c'est pas des multinationales. Nouvelle classe de population. Ok, 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 donc là, non, je veux empêcher les droits d'ascension, voilà, ouf. On empêche les droits d'ascension tout simplement pour pouvoir mettre les ateliers d'outillage avant que sous cela ne parte en couille et que je ne puisse pas récupérer de fer. Et évidemment, merde. Les trucs d'accès, ils sont vachement loin. Il y en a plein, mais ils sont pas à côté du tout. Il y a même un emplacement de centrale nucléaire. Oh lol. De centrale hydroélectrique, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout, tout ça. La question, c'est où est-ce que je vais aller chercher le...
ces trois outils. Génial, bon, ok. Alors, pour gratter un maximum de surface... Donc là, normalement, je peux plus le poser si je décale à gauche, ouais, ça. Ok. Alors, évidemment... Je n'ai plus assez d'outils, je dois me faire... M'endetter à mort. Trust et la compagnie veille sur ses amis. Allez, on va en acheter 20, tant pis. De toute façon, c'est pas grand chose par rapport à tout ce qu'on devrait vendre. Et j'en ai fortement besoin. Voilà. Production d'outillage lancée. Et si possible, j'aimerais bien aussi m'acheter un... Enfin, m'acheter. Récupérer, hop, une foreuse à charbon. Ça peut être pas mal. Parce qu'on risque d'avoir besoin d'un peu plus de charbon. Je vais aussi, si possible... Est-ce que je peux le faire? Non, évidemment, il en faut 4. Je vais attendre que les outils arrivent. Améliorer cette, ce bâtiment, parce qu'on n'aura pas assez de place. Ouais, on le voit, ils n'arrivent pas à récupérer assez de... Alors là, ça y est, les premiers outils arrivent. On est bien. 4. Bim, hop, amélioration du bâtiment. Ah oui, par contre, on voit le bilan qui est à peine positif. Non, c'est le poil positif. Ce qu'il faudrait, c'est... Mes alliés, je considérerais cela comme une marque de loyauté envers moi. Non, ça fait pas grand-chose. Ça fait un peu d'influence, on s'en fiche. Votre inaction relève de la provocation. Oh, ta mère, tu m'énerves. Tu m'énerves, monsieur. Donc là, normalement, les outils, ça avance bien. Ouais, non, j'ai pas assez de... Ça se voit bien, j'ai pas assez de fer. Oula, ils sont beaucoup à vouloir monter. J'ai pas assez de fer, du coup. Allons chercher un petit peu plus de production de ferraille. Hop, on va en poser un là. Ah, je suis pas loin d'avoir les deux, hein. Bon, bah, tant pis. Tant pis. Alors, il m'en faut 4, s'il vous plaît. Voilà. C'est bien, cette touche accélérée. Franchement, c'est super bien, parce que je me souviens des premiers... Les premières fois que je jouais au Anneau, bah, il n'y avait pas la touche... Enfin, je me souvenais pas de qu'il existait une touche accélérée. Du coup, j'avais l'air comme un con pendant des heures et des heures à attendre que bah, je reçoive des trucs... Surtout, c'est un jeu où on peut un peu se le permettre, en tout cas, quand on n'a pas une énorme ville ou un truc comme ça, parce que sinon, là, effectivement, il faut limite mettre en pause pour pouvoir gérer. Mais là, on peut se le permettre. Ok, c'est bon, on va pouvoir... Oh là, ils sont 49. En plus, on commence à avoir des employés tycoon. C'est Tipar, j'ai envie de dire. Ah, mais il y a Trench Coat aussi. Qu'est-ce que tu m'achètes, toi? Tu m'achètes de la bière, de l'alcool. Alcool que j'ai en quantité un peu limitée quand même. J'ai pas énormément d'alcool, mais à la limite, on peut quand même essayer d'y aller. On va essayer d'aller négocier un petit peu d'alcool, ça pourrait être pas mal. Parce que notre bilan est pas hyper ouf. Comment allez-vous? Bonne affaire. Voilà. J'adore. Enregistrement. Donc on est plus qu'à continent. Moins 60. En plus, j'ai trouvé une nouvelle île. C'est nickel. Alors, on va pouvoir autoriser les droits d'ascension, le temps qu'ils s'améliorent tout seuls. Ça va être un petit peu long. Mais ça va nous faire un peu de thunes. Surtout que là, on est à plus zéro au niveau du bilan. C'est hyper ricrac. Au pire, on peut les monter à la main. C'est ça, 80% de ce niveau peut s'améliorer d'un niveau. Donc après, c'est 80. Là, c'est 80. Après, c'est 60, etc. Donc en fait, on en récupère de moins en moins. Donc il en faut de plus en plus au niveau de base. Alors. Ok, ça récupère un peu de trucs. Donc nos employés tycoon, on arrive. Nouveau bâtiment disponible pour la construction. Donc, on est à 400 sur les 1000, sachant qu'il faut juste les valider. Hein. On a besoin que de les valider, donc c'est assez simple. Du coup. Enfin, entre guillemets, assez simple. Alors. Donc, évidemment, il va nous falloir
Des plateaux repas. Ah oui, non, il faut qu'on commence par faire la production de béton. Ce qui est bien, c'est qu'on a des rivières. Du coup, on peut aller récolter du sable. Par contre, la question, c'est est-ce que j'ai la ressource calcaire? Mine d'or, sable, j'en ai. Oh oui, calcaire, en plus, je suis nickel. On va pouvoir mettre un gisement. Je pense qu'on va aller récolter du truc, du calcaire ici. En sélection fait... de bâtiments oh. étendue. Ah ouais, les plastiques. Satisfait les besoins liés au mode de vie. Évidemment, ici, je crois qu'il n'y a pas de pétrole. Ah si. Ah mais c'est à faire ça sous l'eau. Tous les systèmes sont connectés. C'est vrai que c'est à faire sous l'eau, cette merde. Ah, oui, ok. Donc il me faut un hydravion là, enfin non un hydravion. Oh, merde. Un engin qui peut aller sous l'eau. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas un hydravion. Hydravion c'est pas la même chose. La côte inconnue. Mais pour ça je me souviens plus qu'est-ce qu'il faut faire comme manip. En tout cas il nous faut du pétrole. Hein. On n'aura pas le choix, il nous faudra du pétrole. On peut pas en commander à l'arc, si je me souviens bien. Non. Avertissement. Production interrompue. Ok, ici il y a vraiment pas assez de. Toc, on en met un là, un dépôt, comme ça au moins ça ira plus vite. D'ailleurs, on va mettre un dépôt ici, de manière à pouvoir atteindre les le sable, tout ça, faire du béton. On va lancer la production de béton, ça peut être une bonne idée. Ah, accélératum. Je vais relier ça. Et donc là, on va pouvoir faire du... Nouveau bâtiment disponible. Et ben dis donc, on les aura tous débloqués. Et la production de béton. Cette mission mettra vos compétences à l'épreuve. Allez, pourquoi pas. Ça au moins c'est facile. Où est mon bateau? Faut aller chercher ces trucs là, c'est facile. Alors tout ça me dit pas comment je fais pour avoir mes hydravions tout ça. Du coup, enfin mon hydravion. Non, c'est pas un hydravion, justement. Pourquoi je dis ça? Je me souviens jamais de comment je récupère. D'accord, faut que j'aille là. Nouvelle île localisée. Oh oui, d'accord. C'est une grosse île. Bon, c'est ballot. Vous êtes là pour vous vanter de votre réussite. Ce n'était pas grand chose, cela dit. Ok. D'accord, donc j'ai des pirates. Individu inconnu sur cette île. What? Ces plateformes pétrolières sont les plus modernes au monde. D'accord, donc lui, il achète du pétrole. Enfin, il vend du pétrole d'ailleurs, plutôt. Ah, ravi de passer un peu de temps. C'est 80 la tonne. Partenaire commercial, Vadim Sokov, enchanté. Normalement, je dois pouvoir récupérer auprès de SAAT. Hein. Enregistrement du continent. Sauf que l'arche des SAAT, je sais pas où elle est. Alors, tout ça, il faut que je revienne un petit peu à mes gugus. Revenons à nos gugus. Il faudrait peut-être que je mette un petit peu des nouveaux gens. De toute façon, il faut que je continue à améliorer le nombre de personnes qui peuplent ma ville. Qui popule. On va dire ça comme ça, ça popule. Voilà. Sachant qu'on a le bâtiment public disponible, en plus le béton commence à arriver, c'est très bien. On a pas mal de choses. Enfin, tout ça me dit pas comment je fais pour avoir le... Nier. Bon, on va peut-être pas se concentrer tout de suite dessus. Il nous faut, pour les plateaux repas qui seront nécessaires pour le niveau supérieur, donc pour les ingénieurs tycoon, il me faut de la viande... Des légumes, sachant que j'ai comme fertilité une disponible, du café et pas du tout. La viande, je peux la produire ici. Les plateaux repas, je peux les faire ici, mais il me faut une fertilité de type légumes. Fertilité de type légumes qui est disponible sur cette île. Banco. Du coup, il faut que j'économise un petit poil. Tiens, tu vas aller voir ce qu'il y a là. Et ensuite, je vais y revenir, économiser un petit...
un petit peu. Vous cherchez uniquement à me provoquer. Mais t'es relou, y a rien qui te fait plaisir, mec. C'est genre le mec, il s'énerve parce que je mets pas assez d'impôts, il s'énerve parce qu'il y a trop de monde. Oh, t'es quoi, t'es agoraphobe, antisocial, tout ce que tu veux. Je sens qu'il va me falloir de nouvelles distilleries d'ailleurs. Et de nouveaux trucs de poisson, de nouveaux trucs de poisson. Alors. On va partir là-bas. Ah oui, sachant qu'il va me falloir, je suppose, du béton. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Qu'il va me falloir du béton. Allez, on va aller produire tout ça. Allez, go. C'est parti. Alors, ce qui me fait dire qu'il va me falloir aussi un chantier naval pour pouvoir faire les bateaux qui font l'aller-retour. Sinon, j'en aurais pas disponible. Donc, juste avant que je fasse ça, j'ai dit que besoin de poissons. Sinon, le besoin va être un peu à la ramasse. Et la distillerie. Faut que j'en augmente un peu. Merde, c'est pas du tout là que je voulais le mettre. Alors, bon, une distillerie supplémentaire, ça devrait apporter un petit peu... Oula. J'ai eu le doigt qui a fait n'importe quoi. Ça devrait apporter un petit peu de temporisation. Ça devrait aller. C'est... Quai de réparation, non. Voilà, c'est ça. Chantier naval tycoon. J'ai pas assez de ressources. Et je viens de voir que je vais pas avoir assez d'électricité. C'est pas cool. Alors, le chantier naval. On va commander un navire de fret. Pénurie énergétique détectée. Oui, j'ai vu. Est-ce qu'on a assez de charbon? Ouais, c'est bon, le charbon c'est bon. On va pouvoir remettre une usine. Ça va bien. Pas assez de matériaux, ok. Ah, par contre, je suis en train de niquer totalement l'écosystème. Ça se sent... Non, écologique critique. La satisfaction de la population baisse. Mais alors là... Sambalek. C'est des tycoons. Il s'emballèque total. Donc, le nouveau véhicule est bien. Il est là, il est tout frais, il est tout chaud. Nous, on va aller chercher... des trucs comme ça. Oh, waf. C'est 5 de béton. Oh, la vache. Ah oui, en plus, il me faut de l'énergie. M'énerve. On va commencer par produire un peu d'énergie. Hein. Avant de faire quoi que ce soit, on produit un peu d'énergie. Sinon l'île, on pourra rien faire dessus. Alors. Ensuite, on va passer là-dessus. Ok, ça, cette tête-là. Genre, je pensais que je pouvais pas le mettre, mais en fait, si. C'est une petite illusion. C'est assez facile à mettre, ça. Assez ordonné. Ah oui, pas assez de matériaux de construction. Tu m'étonnes. Ok. Alors, on va déjà setup une route commerciale entre nos deux îles. Ouais, route de commerce 1, c'est bon. Alors, station, première station. Neutron. Il faut décharger... comment ça s'appelle? Ceci. Ajouter une station. Megatron. On décharge ça. Et on y ajoute le Calypso. Ok. Là, on est plutôt pas mal, je pense.
D'ailleurs, petit check-up sur les stocks. Oui, c'est un peu... Ouais, non, ça va en fait. On est positif de 20 au niveau du bilan de commerce, c'est rien du tout, c'est risible. Mais, on est un petit peu forcé. Où est mon navire? Il est là. On va aller ramener du béton, on a besoin de béton. Il faut qu'on produise un peu plus de ce côté-là. Alors... Non, pas du tout. Avertissement. Baisse de la fertilité due à la pollution. Oui, je sais. Je suis un gros pollueur. Je suis le pire. Je suis un méchant de Captain Planet. Et non, pas du tout. Ok. En plus, on pourra même en poser un s'il faut. Un de plus, même si je pense que ça rentrera pas. C'est pas ultra opti parce qu'il y a un truc au milieu. Mais bon. Ça devrait commencer à bien fonctionner. On pourra faire 2-3 petits trucs avec ça. Du côté de notre superbe ville, ou pas, qu'est-ce qu'on peut y faire? Sachant que cette zone-là, il faut la conserver pour la deuxième partie de notre ville. L'énergie, on est bon. J'ai envie de mettre un compacteur déchets, mais bon. Plus 50? Ah oui, quand même, plus 50, c'est pas mal. Hein. Ah, je suis à moins 26. Oula, oulala. J'avais pas vu, j'étais à moins 26 au bilan économique. Merde. Non. Voilà. Il y a comme un petit souci. Il va falloir que je vende plus de trucs. Parce que là, ma thune, elle va partir à une vitesse. Je vous dis pas, c'est compliqué. Hop. Ok. Donc, il va falloir qu'on vende des trucs. Mais quoi? Qu'allons-nous vendre? Sachant que le fer et tout ça, je crois que c'est acheté par l'autre choc. On peut vendre ça. Parce que franchement, on n'en a pas besoin d'autant. Le charbon, c'est peu short. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je fasse une nouvelle usine de charbon. Le sable, on est bon. Tout ça. Bon, bah. On va vendre un peu. On va mettre un petit peu de la. La machine de charbon là, on va en mettre une deuxième. Une quatrième d'ailleurs. Et nous, il va falloir qu'on produise de la viande, de la viandasse, du truc pour bovin. Ça peut être pas mal. Où est-ce que je vais les mettre? On va essayer de choper secteur par secteur et non pas s'éparpiller un peu partout. Ah mais là, il y a tellement moyen de plus optimiser cette merde. Ah ouais, mais ça me rembourse pas totalement, hein, donc faudrait que j'arrête de faire le con. Non. Voilà. Ok. Allez, il me faut le dernier truc de viande. Je pense que ça pourra aller avec ça. C'est y part. On n'a pas les routes améliorées. Ah non, c'est les routes améliorées, c'est avec les ingénieurs. Pas tout de suite. Donc, là, on est plutôt pas mal. Reste ça, il faut quand même faire l'usine d'approvisionnement en nourriture. Hop, je me gratte un petit peu là, ça. Les coussins de mon casque sont un peu morts. Voilà, donc il va nous falloir. Il va nous falloir installer ces usines là.
Donc ça y est, les usines d'approvisionnement sont lancées. Normalement ça devrait aller. Je regarde un petit peu, oui on a des stocks qui sont assez conséquents. Même beaucoup, très conséquents d'ailleurs. J'en ai deux d'usines d'approvisionnement, je pense qu'il faudra en mettre une troisième. Mais surtout il y a un Gugus qui est arrivé comme ça et qui m'a dit si tu mets pas un ministère de la vérité tout de suite, et ben, enfin tout de suite, dans moins de demi-heure, et ben t'as une révolte sur les bras. Et what the fuck, pourquoi j'aurais une révolte sur les bras, j'ai rien fait. Bon bah du coup, ministère de la vérité, les gens. Hein. Nous allons vous dire la vérité, tel Brick Brother. Et pour ça, il faut un petit peu que j'économise en béton. Ok, j'ai posé le ministère de la vérité, ça devrait aller mieux, il devrait arrêter de me casser les pieds. Je regarde un petit peu, on a les 1000 employés Tycoon, par contre, effectivement, il faut le faire conjointement avec les 900 ingénieurs Tycoon. Du coup, on n'est pas arrivé, il y a quand même pas mal de choses à faire avant. Bon, la nourriture est bon, le mode de vie... Ah oui, le mode de vie, c'est l'histoire des plastiques. Bon, alors... Histoire des plastiques, c'est produit du pétrole brut, mais ça se met sous l'eau ou sur... Cet endroit. Sur. Ça se met sur terre, ces merdes. Ça se met pas sous l'eau. Ok, et en plus j'ai du pétrole. Oh bah nickel. Nickel. En plus, je peux même en mettre là. Là où je pouvais rien mettre. Ah. Vous avez vu comment c'était calculé? C'est le plus calculé du monde. Par contre, je sens que je vais avoir un problème... Ouais, c'est ça, bilan. Bilan négatif. Et merde. Shit. Non. Pas ça. On va mettre quelques pauvres maisons qui se courent après. J'ai bien envie, quand même, de monter un petit peu le... Voilà, histoire qu'on puisse tenir un peu. Ça reste dans le vert. Pas comme si c'était hyper imposé, tout ça. Donc, m'énervez pas. C'est gentil. Les plastocs, je pense qu'on va faire ça dans le prochain épisode, parce que on est... Il est combien de temps? Ça fait 40 minutes que j'enregistre. Ouais, on va faire ça dans le premier épisode. Ça sera bien. Je pense que tout ça sera bien. Je vais améliorer ça, parce que t'as pas l'air d'arriver à t'en sortir tout seul. Là, c'est pareil, t'as pas l'air de t'en sortir tout seul. Je regarde un petit peu la production. Peut-être mettre un poisson supplémentaire. Voilà. Peut-être mettre une distillerie aussi supplémentaire. C'est vrai qu'avec tout ce que je pose, il y a moyen que je sature un petit peu les différents bâtiments. Besoin de centre communautaire détecté. Ah oui, vous. Toi, tu sais, je peux rien faire pour toi, du coup, faut que je t'enlève. Mais on n'est pas si mal, on n'est vraiment pas si mal. J'espère en tout cas que ce let's play vous plaît, j'essaye de le faire un peu plus dynamique que les précédents. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis on se retrouve dans 4 jours pour la suite de ce let's play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.